On retourne maintenant à cette conférence de presse très émotive. On le voit très bien alors que la mère des deux enfants, d'Alex et Olivier Chicoine, donc Émilie Arsenault, prend la parole. On l'écoute. Il avait don de me faire rire par ses grimaces ou encore par ses imitations de personnages dans ses émissions préférées. Mais il avait aussi un fort caractère. Il savait exactement ce qu'il voulait. Je donnerais tout pour l'entendre se fâcher de nouveau ou pleurer parce qu'il veut manger. C'était vraiment un petit glouton. Je veux qu'on se souvienne d'Olivier et d'Alex, mais je sais pertinemment que toute personne ayant eu la chance de les côtoyer se souvienne d'eux. Ils laissaient leur marque partout et ils passaient par leur bonne humeur contagieuse et leur joie de vivre. Si vous saviez le nombre de chansons que je ne peux plus me permettre d'écouter aujourd'hui, à chaque fois j'entends Olivier chanter ou je vois Alex danser. Un autre son que je ne peux plus entendre non plus, c'est le bruit d'une sonnette. C'est ce bruit-là qui m'a marqué à jamais pour ma vie. J'ai encore en tête tout le déroulement de cette nuit-là. Celle où les policiers ont sonné chez moi pour m'annoncer qu'ils avaient découvert mes enfants. Je n'étais plus capable de penser. J'étais dans un mode survie. Une chance que j'ai une famille et des amis pour m'aider. 6 mois plus tard, j'ai reçu un rapport d'enquête de la CDPDJ me mentionnant que les droits de mes enfants avaient été lésés. C'est bien beau tout ça, mais il se passe quoi? Ça ne me ramènera pas mes enfants. J'en suis consciente. Mais comment on fait pour dire que c'est de la faute de personne? Parce que moi, des portes, j'en ai cogné pour essayer de protéger mes enfants. À aucun moment, je me suis sentie écoutée. À aucun moment, on m'a tendu la main pour me dire que ça allait aller, qu'on allait m'aider. La menace était réelle, puis ils en ont eu la preuve la nuit où ils me les ont enlevés. Ça prenait quoi de plus pour qu'on m'écoute? Pourquoi est-ce qu'on promet toujours d'intervenir une fois qu'il est trop tard? Pourquoi personne s'est assuré de venir faire les vérifications nécessaires quand c'était encore possible de le faire? Si vous saviez à quel point je suis encore en colère aujourd'hui. Encore aujourd'hui, des enfants se retrouvent pris en otage dans le cercle de la violence conjugale. Des tout-petits qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent victimes, malgré eux, d'un parent incapable de gérer ses problèmes d'adulte et d'un autre parent qui est complètement dépuni, apeuré. J'ai été victime de violences conjugales. J'ai essayé que l'on me croie, de protéger mes enfants pour qu'ils ne s'en prennent pas à eux, comme ils s'en prenaient à moi. On ne m'a jamais cru. Est-ce qu'on m'aurait cru plus si la violence avait été physique, si j'avais eu des bleus pour prouver mes dires? Pourtant, ces actions, ces paroles et ces menaces ont laissé bien plus que des marques sur ma peau. Aujourd'hui, je demande réparation pour l'inaction du DPJ qui a mené au plus grand chamboulement de ma vie. Mais au-delà de la réparation, mon but ultime, c'est de voir un changement réel, voir un remaniement complet des procédés au sein du DPJ. Pour Oli et Alex, pour tous leurs petits amis sur leur nuage qui ont vécu la même chose, je me bats aujourd'hui pour que les droits des enfants soient protégés comme ils se doivent. Je me bats pour que le nuage ferme ses portes affichant qu'il est complet. Je continue de me battre pour que tous les parents voulant protéger leur enfant aujourd'hui soient entendus. Je me bats pour que tous les parents qui trouveront la force de signaler leurs enfants pour leur bien de leurs enfants aient la chance d'entendre « Je te crois, nous allons protéger tes enfants ensemble. » 9 mots qui auraient changé ma trajectoire complètement, mais qui auraient surtout prolongé le chemin de mes garçons et qui nous auraient permis de continuer notre route main dans la main. J'étais, je suis et je serai la maman d'Olivier et Alex pour toujours. Et même s'ils ne sont plus là aujourd'hui, mon instinct maternel et mon amour inconditionnel pour eux me donneront toujours la force nécessaire pour faire valoir leurs droits. Maman a toujours été là et sera toujours là pour vous. Mes amours, je vous aime, je vous adore, pour la vie à la folie. I love you, mes petits pitous. Bonne fête, Oli. Si vous avez des questions, on est là. Beaucoup d'émotions. C'est difficile de rester les yeux secs en entendant la maman des jeunes Alex, Olivier, Chicoine, toute
petite victime. Donc, alors qu'elle a expliqué avec son avocate, Maître Assouline, donc vouloir poursuivre la DPJ, DPJ à laquelle elle avait donc fait des signalements. Notre collègue José Lagagnère est sur place. Évidemment, il en sera question dans les prochains bulletins. Justice, c'est ça la justice. Parce qu'il y a de la justice pour tout le monde, mais pour les enfants, il n'y en a pas. Ça ne marche plus.